Bonsoir, bienvenue à cette conférence de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, qu'on surnomme aussi la SAPEM. Mon nom est Alain Vézina, je suis le président de la SAPEM. C'est quoi la SAPEM? C'est le club d'astronomie associé au Planétarium de Montréal. En étant membre, vous bénéficiez de nombreux avantages, entre autres des conférences aux 2 semaines, dont plusieurs réservées exclusivement aux membres. Nous faisons aussi des conférences publiques, telles que celle de ce soir. Nous avons aussi différentes formations offertes aux membres. Actuellement, nous développons d'ailleurs des nouvelles formations qui seront offertes en ligne et en présentiel. Un des plus beaux privilèges est de pouvoir assister gratuitement à tous les spectacles du Planétarium. D'ailleurs, celui-ci est réouvert depuis le 27 février dernier. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir directement d'Hawaï Mme Laurie Rousseau-Nepton, qui est l'astrophysicienne résidente à l'Observatoire Canada-France-Hawaï et chercheure postdoctorale à l'Université d'Hawaï. Première femme autochtone québécoise à décrocher un doctorat en astrophysique. Elle a obtenu son diplôme à l'Université Laval en étudiant les régions de formation stellaire dans les galaxies spirales à l'aide d'un spectro-imageur. Aloha, Laurie, comment vas-tu? Ça va super bien, merci Alain. Ce soir, tu vas aborder mythes et légendes de l'univers cosmogonique des Premières Nations. Mais avant de débuter ta présentation, pourrais-tu un peu nous parler de ton travail à l'Observatoire Canada-France-Hawaï? Oui, ben c'est ça, je vous ai préparé en fait quelques diapositives sur ce que je fais ici avant de commencer la présentation principale. Donc, oui, je suis astronome résidente au télescope Canada-France-Hawaï, puis ça comprend beaucoup de différentes tâches. Mais comment je me suis rendue là? En fait, je suis vraiment partie de Québec. Donc, à Québec, j'ai eu ma formation à l'Université Laval et j'ai appris énormément sur l'observation astronomique à partir du mont Mégantic. Donc, ça, c'est des images que j'ai prises pendant ma maîtrise et mon doctorat. Et on me voit d'ailleurs ici sur la passerelle de l'Observatoire du mont Mégantic avec d'autres étudiants. Et à l'époque, je formais les étudiants à utiliser le spectro-imageur du mont Mégantic, qui éventuellement est devenu notre base pour un autre appareil qui est maintenant à Hawaï. Donc, j'ai suivi la version numéro 2 de l'appareil que j'utilisais au mont Mégantic qui s'appelait Espion. Et là, je travaille avec Citelle ici. Et ça, c'est une photo de ma défense de thèse avec les autres étudiants et ma directrice de thèse, Carmen Robert. Donc, en 2017, j'ai décollé et je me suis envenue à Hawaï pour commencer mon travail ici à l'Université d'Hawaï et au télescope. Bon, Hawaï, c'est une archipel. Présentement, je suis sur Big Island, la plus grosse île d'Hawaï. Puis, c'est là aussi où il y a des volcans actifs. Il y a le Mauna Kea, qui est la plus haute montagne ou volcan de l'île. Heureusement, le Mauna Kea est plutôt tranquille, il n'y a pas d'éruption. Et ça, c'est une des plus belles photos que j'ai du Mauna Kea en hiver, où il y a de la neige aussi à Hawaï. Et le Mauna Kea, la température au sommet est autour de moins 5 degrés jusqu'à plus 5 degrés, tout dépendamment de la période de l'année. Et aussi, on le voit bien sur cette image-là, les nuages sont situés en fait un peu plus bas que le sommet. Donc, on peut vraiment faire des observations facilement, même si en fait c'est couvert la plupart du temps. Et ça, c'est une autre image du Mauna Kea, mais vue de l'autre montagne qui est à côté, le Mauna Loa. Donc, on est vraiment à l'opposé et on le voit bien, là, c'est une énorme montagne qui est en plein centre de l'île. Et le Mauna Kea, c'est vraiment un lieu spécial. La première fois que je suis montée ici, ça donne l'impression en fait qu'on est sur Mars, là, puis j'ai choisi cette photo-là qui montre un peu là, le terrain, les roches volcaniques qui nous entourent, c'est rougeâtre, brun et il n'y a pas beaucoup de végétation. Et on a plusieurs télescopes qui sont installés sur la montagne, dont le télescope Canada-France-Hawaï que l'on voit juste ici. Et là, en fait, on peut encore voir les nuages qui sont plus bas. C'est vraiment assez particulier comme environnement. Et on est en haute altitude. Donc, pour ceux qui font de la randonnée en montagne ou qui ont déjà vécu l'expérience d'être en haute altitude, bien, on sait qu'il y a plusieurs symptômes qui sont indésirables. Donc, nos télescopes, la plupart des télescopes, en fait, sont contrôlés à distance pour justement éviter de travailler dans ces conditions-là. Mais bon, il faut quand même aller au sommet une fois de temps en temps pour s'occuper des caméras et justement changer parfois l'appareil qui est sur le télescope qui prend les images. Et ici, on voit une vue aérienne du Mauna Kea. Je pense que c'est intéressant de la regarder. C'est en fait entouré de réserves naturelles et la route est plus bas et il y a une route qui se rend jusqu'au sommet. Et ici, on voit le sommet là, en vue aérienne avec les différents télescopes et le télescope Canada-France-Hawaï qui est juste ici.
Et maintenant, si on rentre à l'intérieur de ce beau télescope, est-ce qu'on verrait? On verrait le télescope. On voit aussi beaucoup d'appareils. Et là, j'ai une autre photo qui le montre de côté. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment tout ça bouge et permet en fait les observations. Fait que j'ai une vidéo que je vais démarrer qui vous montre en fait comment tout le dôme peut bouger. Là, on voit la fente qui est en train de s'ouvrir. On a des fenêtres aussi autour qui peuvent s'ouvrir, laisser l'air rentrer à l'intérieur. Et puis, bien sûr, le télescope lui-même peut pointer dans toutes les directions. Fait que c'est un peu comme s'imaginer une masse de métal de à peu près 100 tonnes qui peut bouger dans toutes les directions et qui peut, de façon super stable, regarder différents objets, des galaxies, des étoiles, un peu partout autour de nous. Puis dans quelques secondes, on va voir le dôme se mettre à tourner et aussi, on va voir le télescope bouger. Donc, là, le dôme est en train de tourner. Et donc, tous ces systèmes-là, bien, on a une équipe de travail incroyable qui permet à tous ces systèmes de fonctionner et d'être efficace à chaque soir. Donc, comme astronome, je ne suis qu'une petite partie de l'équation pour faire fonctionner un télescope comme celui-là. Et là, le télescope va pointer vers nous, puis on va voir le miroir qui est à la base, le miroir qui est la partie la plus importante du télescope, qui permet de recueillir la lumière. Et en étant à Hawaï, bien, on vit avec tous les éléments de la nature qui viennent avec le fait que l'île est active. Donc, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, on a des éruptions. Et je voulais vous montrer aussi une image d'une tempête qu'on a eue au sommet avec des îles. En fait, il y avait eu des éclairs qui sont tombés sur le télescope voisin qui est le télescope Gemini, qui est aussi un télescope en partie canadien. Et là, on va le voir dans cette vidéo-là. Voilà, les éclairs tombés sur Gemini. Et croyez-le ou non, quand ça s'est arrivé, on a une tubulure qui passe entre les deux télescopes pour les joindre et ça a affecté nos systèmes, le fait que l'éclair soit tombé de leur côté. Et là, ce que vous voyez, c'est notre cloud cam. C'est une caméra qui regarde le ciel et là, on peut faire des vidéos accélérées de ce qu'il y a au-dessus du télescope pendant la nuit. Et vous voyez les nuages en dessous qui se forment, qui passent et aussi la lumière des villes voisines. Donc, vraiment pas beaucoup de pollution lumineuse parce que c'est des villes relativement petites. Et en plus, les nuages souvent les couvrent, donc ça cache un peu la pollution lumineuse des villes. Puis si vous êtes intéressé, il y a des vidéos comme ça qui sont produites à chaque nuit. Puis j'ai mis en fait un lien ici. Donc si vous avez votre téléphone pas trop loin, vous pouvez capturer le code ici et avoir accès aux vidéos de nos caméras à chaque nuit. Donc, vous pouvez aller voir, quand il y a des tempêtes avec des éclairs, c'est assez impressionnant. Puis même aussi quand on a des éruptions, parfois on les voit sur les vidéos de nuit. Et puis, avant de passer aussi à la présentation, je voulais parler un petit peu d'un truc spécial qui est arrivé en 2020. Donc, en 2020, on a eu une activité spéciale qui était l'aluminure du miroir. Donc, ça, c'est en fait un mot fancy pour dire qu'on a refait la surface du miroir pour le rendre encore plus réfléchissant. Et puis, le miroir, c'est une pièce de verre qui pèse 12 tonnes, qui a été fabriqué dans les années 70. Donc, vous voyez ici, avant même qu'il y ait de l'aluminium dessus. Et à chaque 3 ans, on doit refaire sa surface pour qu'il soit super efficace pour faire des observations. Et là, on a dû faire ça pendant les temps COVID. Donc, vous voyez ici sur la vidéo, mes collègues masqués avec la distanciation sociale. Puis, on a défait le miroir du télescope et on l'a transporté jusqu'à une chambre où il est nettoyé. Et avec différents acides, on enlève l'aluminium et on redépose une nouvelle couche toute fraîche. Et là, j'ai quelques petites photos pour vous montrer. Donc ça, c'était une fois que le miroir a été retiré du télescope. Et on a un gros crochet là, qui nous permet de le déplacer. Puis ensuite, on peut le descendre d'un étage à l'autre. On a 5 étages dans le bâtiment. On peut le descendre très doucement jusqu'au premier étage à l'endroit où on fait le nettoyage. Et ça aussi, c'est un peu un moment stressant quand on a le miroir de 12 tonnes qui descend tout doucement jusqu'au premier étage. Et puis finalement, il y a toute une équipe qui se met en branle ensuite pour s'assurer que le support qui est dessous le miroir sur le télescope est en parfait fonctionnement. Fait qu'ils vont, en fait réparer, ils vont nettoyer ce qu'on appelle les pocs, comme les pocs de hockey. Mais c'est l'époque de soutien du miroir, il y en a 25. Et on les nettoie, on s'assure qu'elles fonctionnent bien. Puis d'ailleurs, cette année, j'étais dans l'équipe de nettoyage justement des pocs de hockey pour le miroir.
Et on a des filles ici qui s'affairent au travail de bras. On a les équipes qui transportent les pièces, d'autres qui s'assurent de remplacer les pièces usées avec de nouvelles pièces. Et puis finalement, un de mes collègues, Silas, qui est hawaïen d'Hawaï et qui fait les tests finaux pour s'assurer que tout a été fait correctement. Et qui teste les poches pour s'assurer qu'elles sont capables de supporter le poids du miroir, un poids de 12 tonnes. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on a un beau miroir tout propre. Et là, vous avez mon équipe d'ingénieurs là, qui est là et qui est super content du résultat. Et on a, en fait, vu que je ne peux pas vous montrer tout ce qui se passe entre-temps, entre le moment où le miroir est descendu et ce moment-là où le miroir est parfaitement beau, je vous ai mis un autre lien vers une vidéo, un time-lapse, qui montre en accéléré les 3 jours de travail qui sont nécessaires pour passer de l'un à l'autre. Donc, si vous voulez voir les scientifiques en train de nettoyer le miroir, je crois que la vidéo dure environ 10 minutes. Donc, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et puis finalement, bon, on le remonte au dernier étage puis on le replace dans le télescope pour qu'il soit tout prêt. Et puis ça, c'est juste pour vous montrer que, dans le fond, ici à Hawaï, on travaille avec une grosse équipe. Bon, on a des gens qui sont plus techniques, mécaniques, des électriciens. On a des ingénieurs de différents domaines d'ingénierie, puis on a aussi des gens qui développent les appareils qui nous aident à faire des meilleures caméras pour observer le ciel. Et puis, des caméras, on en a plein. On en a 5 au télescope Canal France Hawaï. Et je ne pourrais pas rentrer beaucoup dans les détails aujourd'hui parce que je veux vous parler de l'univers des Premières Nations, mais juste en terminant, c'est vraiment des appareils qui font différents types de sciences. Donc, on a des caméras là, qui prennent des images. Et on a aussi des appareils qu'on appelle plutôt des spectrographes qui étudient la lumière. Et puis moi, je suis spécialisée avec le petit dernier, Citel, qui fait à la fois des images et des spectres, ce qui me permet de vous montrer une vidéo de données qui a été prise avec Citel de cette galaxie-là ici. Et voilà. Donc, maintenant, ma science. Moi, qu'est-ce que je fais ici à Hawaï? Pourquoi je suis là et quel genre de... Alain? Une question. Oui, vas-y. Est-ce que le miroir est plein? Oui, le miroir est plein. C'est un gros bloc de verre. C'est pour ça que c'est aussi lourd, 12 tonnes. Donc, c'est vraiment une pièce incroyable qui a été fabriquée en France, qui a ensuite été transférée au Canada, dans l'Ouest canadien. Et en Colombie-Britannique, ils ont fait la surface, s'assurer que la surface soit super lisse. Puis ensuite, ils l'ont envoyé à Hawaï par bateau. Et le télescope est arrivé par bateau, puis c'est un peu la cérémonie. Quand le télescope, le miroir est arrivé, ils l'ont paradé dans les rues pour que les gens puissent le voir avant de le monter au sommet du Mauna Kea pour l'installer sur le télescope. Donc, ouais, c'était assez particulier dans les années 70 en plus. Et donc, oui, donc ma science maintenant, je vais quand même vous partager un peu ce que je fais là-bas parce que c'est super excitant et c'est vraiment ça qui me donne l'énergie dans mon travail. Donc, j'essaie de comprendre comment les étoiles se forment dans les galaxies. Puis l'image que je vous montre là est parfaite. En fait, pour ça, on voit plein de choses. Là. On voit des étoiles. La galaxie, elle contient des milliards d'étoiles. Mais aussi, il y a du gaz. Les régions plus sombres, là, ça, c'est comme des nuages de gaz. On les appelle les nuages de gaz interstellaires parce qu'ils sont entre les étoiles. Puis on voit aussi des espèces de points rougeâtres. Et ça, ces points-là, en fait, c'est des régions où il y a des nouvelles étoiles qui se forment. Et moi, c'est ça que j'étudie. Donc, si on essaie de regarder en détail ce qui se passe, c'est difficile, mais on peut par exemple regarder cette simulation-ci qui a été faite au UK par une équipe et qui montre comment le gaz dans les galaxies se transforme pour éventuellement fabriquer des étoiles. Et tout ça, ça se passe principalement à cause de la force de la gravité. Donc, la gravité qui est la force qui attire les petites particules, qui les force à se combiner ou à se fusionner ou à se rapprocher. Et là, dans ces nuages de gaz-là qui sont énormes, des centaines d'années-lumière de dimension, bien, on voit les petites étoiles qui apparaissent. Et puis, ce qui est le fun avec une simulation comme ça, c'est qu'on peut le voir en temps réel, mais en fait, c'est super accéléré parce que ce processus-là prend plusieurs millions d'années, de 1 à 4 millions d'années avant qu'un nuage puisse se transformer en étoile. Et puis, à la fin, bien, on a un groupe d'étoiles comme celui-là, qui est la nébuleuse de la Rosette, où on a des étoiles jeunes au centre. On a du gaz qui reste quand même autour, qui a été comme poussé, soufflé par la lumière des étoiles. Et ça, bien, on en voit partout dans les galaxies, dans la Voie lactée. Dépendamment des galaxies, ces régions de formation stellaire peuvent être plus petites, plus grosses. Et puis, c'est ça que j'essaie de comprendre, en fait.
pourquoi elles sont différentes d'une galaxie à l'autre, puis quel genre d'étoiles elles vont fabriquer. Et tu en as des géantes, comme celle-là ici, qui s'appelle la région de la Tarentule. Dans cette région-là, il y a des étoiles qui sont excessivement massives, là, 150 fois la masse du Soleil, des monstres stellaires. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines régions peuvent fabriquer ces étoiles-là. Mais des étoiles, des gros monstres stellaires dans des amas comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être une ou deux, des fois il n'y en a pas. la plupart des étoiles sont comme le Soleil ou plus petites encore. Et quand il y a des étoiles grosses, là, les monstres, ben en plus de faire beaucoup de lumière, elles sont faciles à identifier parce qu'elles poussent le gaz autour d'elles, elles réchauffent le gaz. Puis c'est ça qui fait ces espèces de petites boules rouges qu'on a vues dans la galaxie. C'est des bulles de gaz chaud qui sont chauffées par des étoiles supermassives. Et c'est ça que moi, je vais aller regarder avec la caméra Stelle. Et là, je vous montre encore des simulations par ordinateur de ces bulles de gaz chauffées-là qui sont faites par des étoiles massives. Si une étoile est encore plus massive, elle va chauffer encore plus de gaz. Puis ça, ces genres de structures-là, de bulles de gaz-là, on en observe autour de nous. Là, je vous montre une image réelle d'une bulle ici qu'on peut comparer avec la simulation, puis ça se ressemble énormément. Puis généralement, ça peut ressembler à des choses comme ça ici. Donc, on a une autre nébuleuse avec des étoiles au centre. Et puis ça, ce phénomène-là est super important. Puis ça a en fait des retombées phénoménales pour notre compréhension de l'univers parce que comment ça se passe, c'est qu'on a du gaz dans l'univers, puis surtout juste après le Big Bang, le gaz qui était là, après la formation de l'univers, c'était du gaz qui était principalement de l'hydrogène puis de l'hélium. Tous les autres atomes comme l'oxygène, le carbone, ceux qu'on voit tous les jours, il n'y en avait presque pas ou il n'y en avait pas pantoute. Et pour former ces nouveaux éléments-là, bien, ça prend des étoiles qui font la fusion nucléaire. Donc, avec le gaz, la gravité, on forme les étoiles transforment ce gaz-là, fabriquent des nouveaux éléments chimiques, et éventuellement, bien, il y a des supernovas, il y a des vents stellaires, ça pousse ces nouveaux éléments chimiques-là partout dans l'univers autour de nous. Et bien, ensuite, il y a d'autres étoiles qui peuvent se former, qui sont différentes, qui sont composées de ces nouveaux éléments chimiques-là. Et le Soleil, entre autres, ben, c'en est une des étoiles de seconde ou troisième génération qui contient des éléments chimiques qui ont été produits dans le passé par d'autres étoiles qui se sont formées vraiment au début de l'univers. Fait que pour comprendre tout ce phénomène-là, ben, il faut vraiment étudier la formation des étoiles, comment ça se passe, c'est quoi les caractéristiques des étoiles. Puis dans les galaxies, bien, ça se fait constamment. Il y a des centaines de régions de formation stellaire dans la Voie lactée. C'est sûr que ça ne va pas aussi vite que dans ma vidéo, encore une fois. Cette vidéo-là est accélérée. Mais toutes les petites boules rouges que vous voyez apparaître, c'est des étoiles massives là, qui se forment puis qui meurent éventuellement en supernova. On peut s'imaginer que la galaxie, tranquillement pas vite, se transforme puis qu'on contient plus d'éléments chimiques comme le carbone, l'oxygène avec le temps à cause de ce phénomène-là. Et ça se passe sur plusieurs millions d'années. Donc, les étoiles se forment, sont jeunes. Elles vont vivre pas très longtemps, les étoiles massives. On parle de moins de 40 millions d'années. C'est jeune pour une étoile. En comparaison, le Soleil vit 5 milliards d'années. Donc, c'est vraiment jeune, 40 millions d'années. Donc, elles vivent rapidement, elles brûlent rapidement leur carburant, puis ensuite, elles explosent. Et puis ça, c'est vraiment un phénomène qui se passe rapidement pour une galaxie. Donc, c'est super important. Pour l'évolution de cette galaxie-là. Et puis, des régions de formation d'étoiles, on en a tout proche de nous. On a Orion, qui est super bien connu. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette image-là pour votre fond d'écran d'ordinateur. C'était une image populaire. Donc, Orion, qui est une des plus proches de nous dans la Voie lactée, qui est en fait, on a l'impression que c'est une énorme région, mais elle est considérée comme ultra compacte. Donc, comparé à toutes les autres régions qu'il y a autour dans l'univers, c'est une très petite région de formation stellaire. En astronomie, on utilise souvent les échelles de l'ordre on peut pas vraiment parler de kilomètres parce que ces régions-là sont énormes quand même comparées à l'échelle humaine. Donc, on utilise une autre unité qui s'appelle le parsec. Le parsec, c'est énorme. C'est plusieurs années-lumière. C'est 3,2 années-lumière de dimension. C'est énorme. Et d'autres galaxies, qui sont proches de nous, comme par exemple celle-ci, bien, elles ont d'autres régions de formation stellaire. Puis en comparaison, si on prend là, la belle bulle de gaz là, qu'il y a là ici, bien, cette bulle de gaz-là, elle est 25 fois plus grosse qu'Orion.
Donc, c'est un monstre de formation stellaire en comparaison avec, avec Orion qu'on connaît bien. Puis, il y en a de différentes tailles, il y en a des plus petites qu'Orion et tout ça. Puis, si on regarde encore d'autres galaxies, je vais vous demander de vous rappeler de cette bulle-là parce que c'est vraiment une belle candidate, en fait, pour comprendre les dimensions. Donc, cette bulle-là qui est 25 fois plus grosse qu'Orion. On va regarder ces galaxies-ci qui sont plus loin puis qui ont beaucoup de formations stellaires. Puis là, on regarde des régions qui sont en fait 250 fois plus grosses qu'Orion. Notre bulle là, qu'on a vue tout à l'heure, elle est à peu près aussi grosse que cette petite région-là ici. Et puis dans le cas de la galaxie ici à droite, ben si on voulait observer notre petite bulle là, qui est 25 fois plus grosse qu'Orion, ben elle serait toute petite, en fait, si je la mettrais à la même dimension, là, ça serait un point dans l'image, on ne la verrait même pas. Puis Orion, on ne peut même pas y penser, Orion, on la détecterait même pas, on ne la verrait pas tellement qu'elle est petite à cette distance-là. Donc, dans des galaxies comme ça, il y en a des étoiles qui se forment en des tonnes. Et puis, vous voyez là, toutes les régions rosées, là, ça, c'est plein d'étoiles massives qui se forment. Et puis maintenant que je suis arrivée au télescope Canada-France-Hawaï, je fais mes propres recherches, puis je dirige un grand programme qui observe les régions avec notre caméra, CITEL, et le pronym, en anglais bien sûr, mais ça l'étudie finalement la formation des étoiles, le gaz chauffé et les abondances des atomes dans les galaxies. Et on fait ça pour plein de types de régions de formation stellaire qui sont à différents endroits dans les galaxies. Il y en a qui sont au cœur des galaxies. Il y en a qui sont dans des régions éloignées, comme on peut imaginer en campagne, versus être en ville quand on est au centre de la galaxie. Et il y en a qui sont géantes, des monstres comme la tarentule. Puis il y en a d'autres qui sont toutes petites. Puis on essaie d'étudier en étudiant des milliers, des dizaines de milliers de régions, leurs caractéristiques. Puis comment est-ce que les étoiles qui sont à l'intérieur, c'est quoi leurs caractéristiques, puis comment elles se sont formées. Et ça, c'est important parce que nous, on le fait dans l'univers proche. Et il y a des gens qui étudient des galaxies super lointaines, qui sont comme dans l'image ici, des galaxies qu'on les voit comme des petits points, en fait. Et on ne peut pas voir ce qui se passe super bien dans ces galaxies-là, mais on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles qui se forment. Fait qu'avec mon projet, on aide les gens qui étudient les galaxies ultra lointaines, qui sont aussi loin dans le temps, mais comment est-ce que les étoiles se forment dans ces galaxies-là? Et puis, je fais ça avec CITEL, fait que les données, vous voulez voir ça a l'air de quoi? Donc, ça, c'est une de mes galaxies de signal. Et ça, c'est des données CITEL, donc c'est des images, mais aussi des spectres. Donc, on peut faire des vidéos et on voit le gaz chauffé par les étoiles massives. Voilà, ici, on voit le gaz qui a été chauffé par les étoiles massives. Puis, c'est ça qui me permet de faire ma science. Fait que je suis assez choyée d'être ici puis de pouvoir utiliser l'appareil qui me permet de faire ma science. Puis ça, c'est une autre galaxie que je vous ai montré au début. Là. Même chose, on peut regarder les vidéos des différentes régions de la galaxie, le cœur de la galaxie et les régions éloignées qui sont différentes les unes des autres. Et ça, je ne suis pas toute seule. Là. Je fais ça avec une grosse équipe. Il y a en fait 17 pays qui sont impliqués, avec plein de gens, beaucoup de gens du Canada. Puis on travaille en équipe pour regarder toutes ces données-là et comprendre comment les étoiles se forment. Puis on a aussi des étudiants, fait que si jamais là, il y a des étudiants qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des projets. Et puis là, je vais tomber tout de suite dans mon sujet principal. Donc, on veut vraiment parler de l'univers des Premières Nations. Oui, Alain? Oui, on a deux petites questions. Pour le miroir du Canada-France-Hawaï, c'est un verre type vitro-céramique. Et Pierre Tourné voulait savoir si c'était du type de zéro dur. Oh! C'est une question que je pourrais répondre plus tard. Il faudrait que je demande à mon ingénieur pour ça. Je ne suis pas certaine. Oui. C'est un type de verre, le vitro-céramique. Oui, oui. Il faudrait que je vérifie. Ça, OK. Merci. Puis un autre, naturellement, la question qu'on s'attendait. Comment ça passe avec la contestation des Premières Nations d'Hawaï concernant les nouveaux télescopes à construire? L'entente est-elle envisagée? Pour l'instant, je vous dirais que c'est difficile de dire ce qui va se passer. On ne sait pas encore si le projet va aller de l'avant ou si, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'entente. Par contre, il y a un processus qui est très important qui se passe présentement pour le renouvellement de la licence qui permet à tous les télescopes d'être sur la réserve scientifique du sommet.
Donc, le renouvellement de cette licence-là et les accords qui sont faits pour le renouvellement de cette licence-là doivent d'abord se passer et se terminer positivement avec un renouvellement avant même que le télescope de 30 mètres puisse aller de l'avant. Fait que là, on attend un peu que ce processus-là soit terminé. J'espère avoir des nouvelles dans la prochaine année. Je pourrais peut-être vous en dire plus si je reviens vous parler d'ici un an. Merci beaucoup. OK, on va y aller. Donc, pour oui, on tombe dans l'univers des Premières Nations. Je suis super contente de parler de ça aujourd'hui. C'est la première fois, en fait, que je fais une présentation sur ce sujet-là. Mais en même temps, je pense que c'est le moment où j'étais prête de faire une présentation avec beaucoup de contenu. Dans les dernières années, je me suis intéressée à tout ce qui est la question de l'astronomie des Premières Nations, puis les connaissances qui sont transmises par les histoires des Premières Nations. Puis, comme astronome, ça me donne un point de vue vraiment particulier parce que je suis capable de détecter dans les histoires des liens entre les différents phénomènes astronomiques et physiques, puis ce qui est véhiculé dans les histoires. Puis ça, c'est pas tout le monde nécessairement qui a cet avantage-là. Et puis j'espère qu'avec la présentation que je vais vous faire, vous allez comprendre à quel point parfois les informations à l'intérieur des histoires, des Premières Nations sont cachées. Et je vais essayer de faire planer encore le mystère parce que même encore, si je peux vous partager une certaine partie de l'information, j'ai encore l'impression aujourd'hui que j'ai trouvé que la cime de l'iceberg, le dessus de l'iceberg pour ce qui est de ce qui est caché à l'intérieur de tout ça. Et puis, des peuples au Canada, il y en a plusieurs. On a plus entre 50 et 60 langues des Premières Nations. On a des milliers de réserves et de communautés différentes. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de tout le monde. Moi, je suis Innu. Et c'est sûr que je me suis intéressée particulièrement à ce qui est des savoirs traditionnels Innu dans mes recherches puis dans mes échanges avec mes amis. Puis j'ai l'impression que aujourd'hui, je vais vraiment me focusser plutôt là-dessus. Puis j'espère que ça va vous donner un peu le goût d'être curieux puis de vous-même faire vos propres recherches aussi. Parce que ce que je vous véhicule aujourd'hui, c'est qu'une toute petite partie, encore une fois, de la richesse qu'on a au Canada. Et puis, bon, quand on parle du savoir des Premières Nations, tu sais, puis du savoir des communautés autochtones partout dans le monde, tu sais, quand on peut penser facilement à, tu sais, des monuments comme Stonehenge, les pyramides d'Égypte, il y a des connexions aussi avec l'archéo-astronomie dans les monuments d'Amérique centrale. Puis même à Hawaï, on a des roches, tu sais, qui ont été placées pour montrer les positions des solstices, là, l'endroit où le soleil se couchait en hiver versus l'endroit où le soleil se couchait en été. Donc, il y a plusieurs monuments physiques, tu sais, qui nous démontrent le savoir-faire et les connaissances des communautés. Puis parfois, c'est dans les écrits, tu sais, les Chinois ont beaucoup d'écrits aussi qui sont très, très vieux et qui nous permettent de retracer tout ça. Et au Canada, ben, c'est un peu différent. On n'est pas dans la même situation. Les modes de vie des communautés canadiennes, plutôt nomades, on peut nécessairement laisser les mêmes genres de traces que partout dans le monde. Donc, c'est vraiment la tradition orale qui va être l'outil principal. Puis, je vais essayer aujourd'hui de vous convaincre à quel point la tradition orale, c'est un outil puissant. Puis, bon, vous me direz à la fin de ma présentation si j'ai réussi à vous convaincre. Donc, ce qui est particulier au Canada, c'est ça. C'est qu'on n'a pas nécessairement ces traces, ces monuments-là aussi qui passent les marques du temps. Mais on a les traditions orales qui peuvent, elles, passer les marques du temps. On a les cycles naturels qui sont très différents. On a les saisons qui sont marquées. Notre situation nordique fait ça aussi. On a le froid de l'hiver, l'été. Mais aussi les changements diurnes, le fait que la journée, la durée de la journée, la durée de la nuit change de façon dramatique sur notre territoire. Et ça change la façon que les communautés ont observé le ciel puis ont utilisé le ciel pour différentes choses dans leur mode de vie. Puis aussi, à travers mes échanges que j'ai eu avec plein de gens, le fait que les Premières Nations au Canada vivaient de nuit, il y avait beaucoup d'activités qui se faisaient de nuit, puis qu'il n'y avait pas le choix, en fait, d'être fait de nuit. Des déplacements aussi nocturnes, des gens qui allaient à la chasse et qui revenaient très tard, bien longtemps après le coucher du soleil. Et je vais vous raconter certaines histoires par rapport à ça. Et finalement, ben, la vie nomade, donc un campement d'été, un campement d'hiver, plusieurs campements possibles. Donc, on bouge, on se déplace sur un territoire, sur des grandes distances. Puis, ça aussi, ça fait que dans la tradition orale, on remarque que les gens avaient une connaissance incroyable des changements qui sont perceptibles quand on passe du sud au nord, et ainsi de suite.
Et là, juste pour vous convaincre, si jamais vous n'avez pas voyagé beaucoup dans le Québec, moi, quand je retourne pour les vacances, je m'en vais dans un endroit qui est marqué par la petite Croix-Rouge ici. C'est mon endroit de choix dans la réserve faunique de la Chapmouchouane. Et puis, si on zoome là, à l'intérieur de la réserve faunique de la Chapmouchouane, on voit que, en fait, le territoire est rempli de lacs et de rivières. Si je continue à zoomer ici, on voit que tout le Québec, en fait, c'est un gruyère de lacs et de rivières. Et les Premières Nations utilisaient le canot, bien sûr, puis voyageaient dans ce territoire-là assez aisément. Ils voyageaient aussi à pied. Il y a plusieurs écrits que j'ai lus sur ils utilisaient différents bouts de bois pour marquer la position des campements. Comme ça, si quelqu'un arrivait à un endroit et voyait le placement des bâtons, il pouvait savoir où était le campement, combien de temps ces gens-là allaient rester au campement pour voir s'ils pouvaient finalement se rejoindre puis communiquer avec eux. Donc, il y avait vraiment des façons ingénieuses d'utiliser le territoire. Et puis, moi, je suis Innu de la communauté de Pequot-Kamilnuats. Ils sont localisés, en fait, à côté des berges du Lac-Jean, dans la communauté appelée Mastoyats. Pequot-Kamilnuats, ça veut dire les Innu du lac Pequot-Gami. Donc, Pequot-Gami, c'est le nom Innu, en fait, pour le lac Saint-Jean. Et en Innu, ça veut dire que c'est un lac aux eaux profondes, en fait. Et la réserve faunique de la Chapmouchouane, dont vous voyez les photos ici, est située un peu plus au nord, pas mal plus au nord, en fait. Et ça, c'est le territoire traditionnel de chasse où on va chasser à chaque année avec ma famille. Puis Pequot-Kamilnuats, puis la Chapmouchouane, je veux dire, la réserve faunique de la Chapmouchouane, c'est un mot Innu aussi. Puis ce mot-là veut dire là où on va attendre l'orignal ou là où on attend l'orignal. Donc, c'est l'endroit parfait pour aller chasser. Puis la Chapmouchouane, c'est un peu comme mon Wonderland, c'est mon endroit préféré. Et je vous montre quelques photos ici. Du site, là, c'est vraiment très, très éloigné. On n'a pas beaucoup de voisins par là. Il y a peut-être un campement à 25 km du nôtre, mais c'est tout. Puis on est à une heure et demie de la première route principale. On chasse l'orignal, fait qu'on regarde pour des signes qu'il y a des orignaux. Donc, je vous montre ici des photos de ma chasse de l'année dernière. Donc, on voit des feuilles qui ont été mangées par les orignaux ou des branches fraîches qui ont été cassées par les panaches d'orignaux. Donc, des branches fraîches cassées à 10 pieds dans les airs, il y a juste les orignaux qui font ça. Et en plus de regarder pour ces signes-là, ben, des fois, on a des choses plus évidentes comme des traces. Mais je vous montre cette photo-ci, qui est une photo vraiment spéciale pour moi. C'est une pointe de flèche que j'ai trouvée dans le lac en avant de notre campement. C'est par une chance ultime. On n'en avait jamais trouvé auparavant. Mais elle était dans le lac, couverte de mousse verte, d'algues. Puis quand je l'ai pris, je me suis rendu compte que c'était un objet spécial. Puis c'est en fait une flèche qui est super vieille. Fait que c'est vraiment la démonstration que nos ancêtres étaient aussi dans ce coin-là, là, des milliers d'années. Et là, maintenant, je travaille à Hawaï. Bon, on a eu la question tout à l'heure, justement, avec les manifestations qu'il y a ici, avec les Premières Nations ici, les natifs hawaïens. C'est un truc aussi que je pense important pour tout le monde, mais aussi pour moi comme scientifique. C'est se rappeler que le territoire, peu importe on est où sur la planète, le territoire est sacré pour une communauté. Et certains lieux, comme par exemple le Mauna Kea, est sacré ici. Et c'est vraiment un endroit qu'on doit respecter. Et le fait qu'on puisse faire de la science ici, c'est assez exceptionnel. Puis on doit avoir de la gratitude énorme pour le sacrifice qui a été fait par les communautés ici pour nous laisser faire ça. Et c'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. Puis, il faut continuer de le faire bien, de le faire avec le respect, si on veut pouvoir continuer à le faire dans le futur. Donc, pour moi, c'est vraiment important, quand je fais de la science, de parler aux gens de la communauté, puis d'échanger, puis de partager la science que je fais. Parce que c'est notre devoir comme scientifique dans la communauté de faire une science qui est accessible pour tout le monde. La science, si on la fait juste dans notre coin, puis qu'on la partage pas, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de faire des présentations comme celles que je vous fais aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est super important. Puis, ça fait vraiment partie de mon travail, en fait. Et si on revient maintenant au Canada. Donc, là, je vous ai parlé un peu de la situation particulière des Premières Nations. On a les saisons, on a le mode de vie nomade, les grands voyages. Et le fait aussi qu'on a les changements de saison, les changements diurnes, donc la durée du jour qui change énormément. Ça fait que tout ça, ça a un impact crucial dans la perception des Premières Nations. Puis, juste pour vous donner une idée,
Je trouve ça super intéressant. Cette image-là, ça montre le nombre d'heures qu'il y a dans la journée, pendant le solstice d'hiver, donc la journée la plus courte. quand on est vraiment dans le nord là, du Nunavut, en fait, le soleil ne se lève même pas. Et si on descend un peu, il commence à avoir un petit peu de soleil. On voit le soleil 3 heures par jour ici. Et jusqu'à, finalement, au Québec, où pendant le solstice d'hiver, on va avoir une période de lumière d'environ 8 heures. Et ça, ça fait qu'il reste 16 heures et plus pour la nuit. Et donc, pour observer des phénomènes célestes et tout ça. Et ça fait que les communautés des Premières Nations, en fait, ont un regard assez profond sur ce qui se passe dans le ciel, puis vraiment une bonne compréhension. Puis, même dans leur langage, il y a certaines expressions, par exemple, tu sais, qu'est-ce que c'est un an pour les Premières Nations? C'est plutôt un hiver ou le nombre de lunes. Donc, il y a entre 12 et 13 lunes par année. Donc, pour les Premières Nations, c'est ça leur unité de temps pour compter l'année, particulièrement pour les Inuits. Et Florent Volant, que j'espère que la plupart d'entre vous connaissez, m'avait raconté que quand les Européens sont arrivés avec les montres, les premières montres, et ont montré ça aux Premières Nations, le premier nom qui a été donné aux montres, c'était en Innu. En traduction, ça voulait dire le compteur de lune. Donc, la montre qui compte le temps, c'est un compteur de lune. Et puis, il dit souvent que compter à plus petit que ça, des secondes, tout ça, ça ne sert à rien. il faut plutôt voir ce large. On n'a pas besoin de compter les secondes. Et c'est ça aussi, ils vont compter les journées et les distances en nombre de nuits ou en nombre de lunes. Donc, c'est vraiment la nuit puis la lune qui est super important. Donc, un endroit peut être à plusieurs nuits d'ici. Il peut être à une lune d'ici si c'est plus loin ou deux lunes d'ici. Puis, c'est vraiment la nuit qui marque le temps et les lunes. Puis, ils vont même utiliser les étoiles qui, on l'a vu dans la vidéo là, de CloudCam, qui se promènent dans le ciel comme une montre. Donc, on peut dire, par exemple, « Ah, je vais revenir au campement quand cette étoile-là va toucher l'horizon », et ainsi de suite. Et, là, on le voit ici sur la petite vidéo qui montre la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, la Terre tourne autour du Soleil, elle a une inclinaison. C'est ça qui crée les saisons. Et aussi, on le voit ici quand on est au nord, c'est ça qui fait que, vraiment, quand on est tout près du pôle nord, on ne soit pas de lumière pendant l'hiver ou énormément de lumière pendant l'été. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fabriquée à partir de mon application qui s'appelle Starry Night. Et vous allez voir, on se transporte à Grease Fjord, qui est l'endroit, la communauté la plus nordique du Canada. Je leur ai parlé, je leur ai fait une présentation il y a quelques semaines, voire un mois. Donc, ils sont dans un endroit très, très nordique, tout près du Groenland. Et j'ai choisi une date précise. Vous avez peut-être vu ici le soleil, il y avait quelque chose de spécial qui se passait. C'est la date du 10 juin. Et je vous montre cette vidéo-là. Là, on va regarder le soleil, on va se concentrer sur le soleil et je vais changer le temps. Donc, on va avancer par heure dans le temps pour voir le mouvement du soleil dans le ciel à Grease Fjord. Et là, voilà. Donc, en plein milieu de l'été à Grease Fjord, le soleil ne se couche pas. Et il se promène et il fait des cercles dans le ciel comme ça. Et le 10 juin, c'est un moment spécial en particulier. Pour un peu partout au Canada, et je vous montre pourquoi, là, j'ai fait un petit zoom sur le soleil, on voit l'éclipse solaire qui est en train de se passer au matin du 10 juin, donc essayez de mettre votre cadran de réveil matin très tôt, puis essayez de ne pas le manquer. L'éclipse va durer à peu près 2 heures, mais le moment où l'éclipse est totale dure que quelques minutes, donc il faut être là au bon moment. Et là, vous avez vu le mouvement que le soleil fait dans le ciel pour les gens au nord est assez incroyable. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça dans sa vie. Donc, si jamais vous êtes assez chanceux et vous pouvez faire un voyage dans le nord, peut-être ça va être soit l'été, le jour éternel ou la nuit éternelle quand vous allez y aller, dépendamment si c'est l'hiver ou l'été. Mais bon. Et Koudjouak, au Québec, on reste au Québec. Koudjouak, c'est un des peuplements aussi qui est dans les peuplements les plus nordiques avec les Inuits qui sont installés là-bas. Et les Inuits, courent un territoire plus au sud, mais ça leur arrivait de faire des voyages jusqu'à Koudjouak. Et le nom Inu pour le campement de Koudjouak, c'est écrit ici, c'est Ouachkakan. Et ça veut dire cercle imaginaire que l'on suit en dansant.
Donc, j'imagine qu'ils sont allés pendant l'été, à un moment où le passage pour se rendre au nord était possible. Et quand ils ont vu le soleil faire ces mouvements-là, c'est le nom qu'ils ont donné à l'endroit. OK. Là, on va revenir justement à ces aspects-là, donc de signes naturels, situation nordique, vie nomade et lieu de nuit. Il y a une autre chose que je veux aussi introduire avant d'aller plus loin puis vous raconter justement mon périple à travers les différentes histoires des Premières Nations. Puis c'est un peu plus du côté spirituel, mais c'est important pour comprendre certaines de ces histoires-là puis le lien aussi avec ce qui est fait justement avec les histoires. Et je vais vous parler du Mistapéo. Le Mistapéo qui peut être écrit de façon différente, dépendamment du langage, et qui se traduit un peu comme étant le grand homme. Et là, je vous ai mis un extrait ici de Rita, qui est en fait aussi Innu, et qui parle un peu du concept du Mistapéo. C'est que dans la vie d'un Innu, il y a comme deux versions de lui-même, deux chemins. Donc, il y a le premier qui est tracé par les hommes sur Terre, celui qui le fait interagir avec son environnement, l'endroit où il vit. Et il y a un autre chemin qui est invisible, qui lui permet, dans le rêve, à travers les rêves, de parler à son Mistapéo. Et c'est pas comme nécessairement comme un dieu, il n'y a pas un seul Mistapéo. Chaque humain a son propre Mistapéo, son grand homme à l'intérieur de lui. Et par ses rêves, il peut lui accéder, il peut lui demander de l'aide, mais le Mistapéo va l'aider seulement si sa vie est bien menée et puis si l'homme a vraiment bien agi et surtout s'il agit bien avec la nature et les animaux. Et si l'homme parle à son Mistapéo, le Mistapéo peut aussi lui permettre de parler au maître des animaux. Et c'est dans une spiritualité où les différents animaux ont différents esprits maîtres. Le maître du caribou, par exemple, c'est Papagasik, qui est super important pour les Innus à cause de la chasse au caribou. Mais son Mistapéo va peut-être lui permettre de parler à Papagasik pour avoir une bonne chasse. Donc ça, c'est un aspect qui est super important. Donc l'Innu a accès à son Mistapéo à travers les rêves, qui est dans ce deuxième monde-là, le monde où il y a les Mistapéo et les esprits. Et c'est un monde qui est lié justement aux étoiles. Et là, avant de continuer, je veux quand même encore traduire quelques mots en Innu qu'on puisse bien comprendre. Donc, une étoile en Innu, c'est Utchakatak, OK? Et la fin du mot, qui ressemble énormément au mot esprit, Achak. Donc, les étoiles sont des esprits. Puis, rappelez-vous du mot Utchak, parce que je vais revenir sur celui-là dans les prochaines diapositives. Donc, Utchak Atak, c'est une étoile. La Voie lactée, elle, Chipai Meshkano, c'est le chemin des morts. Donc, c'est le chemin qui est emprunté par les morts pour aller vers le monde des esprits. Puis, la Voie lactée est aussi liée aux oiseaux migrateurs qui voyagent et qui l'utilisent pour faire leur chemin au printemps puis à l'automne. Parce que la Voie lactée, ben, elle s'aligne dans le fond, du sud au nord à des moments précis, juste à la fin de la nuit avant que les oiseaux décollent pour leur périple, au mois d'avril puis au mois de septembre-octobre. Fait que c'est comme leur dernier signal avant de partir le matin pour faire le grand chemin. Et là, pour vous convaincre, parce qu'on va embarquer dans les histoires, que la tradition orale a un pouvoir incroyable, je vais partager avec vous un article qui est sorti dans les nouvelles il n'y a vraiment pas longtemps, qui parle d'une histoire qui n'est pas du Canada, mais qui est d'un peu partout dans le monde, qui parle des Pléiades. Et c'est en fait des chercheurs qui ont analysé des histoires d'un peu partout et qui ont fait des connexions, parce que souvent, quand on parle des Pléiades dans plusieurs communautés partout dans le monde, on parle des sept sœurs. Et ils ont daté que potentiellement, ces histoires-là seraient aussi vieilles que 100 000 ans, ce qui est incroyable. Et la raison pour laquelle ils sont arrivés à cette conclusion-là, entre autres, c'est que quand on regarde les Pléiades présentement, ça ressemble à ça. Donc, il y a 6 étoiles qui sont très visibles, qu'on peut vraiment voir facilement. Il n'y en a pas 7. Par contre, les étoiles des Pléiades, il y en a une en particulier qui est une étoile double. Et sa compagne, qui présentement est très, très proche de l'étoile principale. On la voit à peine, en fait, on ne peut pas vraiment la distinguer. Mais il y a 100 000 ans, cette étoile-là était un peu plus loin. Donc, du coup, on la voyait et il y avait vraiment 7 étoiles dans les Pléiades brillantes, visibles à l'œil nu. Fait que là, on reconnaît le patron des Pléiades ici. Ça, c'est en 2020 avec la petite étoile qui est plus proche. Puis, il y a 100 000 ans, bien, cette étoile-là était comme vraiment détachée puis on pouvait la distinguer à l'œil nu. Donc ça, c'est un premier indice important parce que je veux que les gens qui écoutent
me suivre dans les prochaines histoires que je vais vous raconter, parce qu'il y a aussi des histoires canadiennes qui sont très, très vieilles. Je vais essayer de vous convaincre de ça. Bon, là, on a vu que la petite étoile des Pléiades bougeait dans le temps sur 100 000 ans. Donc, oui, c'est vrai, les étoiles se déplacent. La raison pour ça, ben, c'est qu'on est dans une galaxie, la Voie lactée, qui tourne. Et là aussi, ça, c'est une vidéo super accélérée. La Voie lactée, elle tourne à tous les 250 millions d'années. Elle fait un tour, ce qui fait que les étoiles autour de nous se déplacent un peu. Mais c'est pas si intense qu'on peut se l'imaginer. Donc là, je vous montre une image à droite ici de la Grande Ours, constellation qu'on connaît bien dans le Nord. Et là, je vais vous montrer deux vidéos du même secteur dans le ciel. On va voir une vidéo du même secteur dans le ciel, c'est une simulation des étoiles qui étaient là il y a des millions d'années. Donc, vous pouvez essayer autant que vous voudrez essayer de retrouver la Grande Ourse. Vous la verrez pas. Les étoiles ne sont même pas là. Donc, dans le même coin de ciel, 2 millions et 20 millions d'années et plus, les étoiles, c'était pas les mêmes. Par contre, et là, je vais vous montrer ici une autre vidéo, c'est autour de la date d'aujourd'hui. Donc, on voit les mêmes étoiles. Il y en a qui vont vers la droite, il y en a qui vont vers la gauche. Là, oh, on va reconnaître la Grande Ourse juste ici. Voilà. Et ça, bien, le look de la Grande Ourse n'a pas tant changé que ça dans les 10, 20, 100 000 ans à partir d'aujourd'hui. Donc, la constellation que nous, on connaît comme la Grande Ourse, c'est pas la même que nos ancêtres connaissaient le 50 000 ans, le 100 000 ans. Un peu comme les Pléiades n'a pas tant changé que ça. Donc, ils sont reconnaissables. Du coup, quand on parle dans les histoires des différentes constellations, on parle des mêmes étoiles. Et là, quand j'ai commencé ma recherche à essayer de comprendre justement les connaissances des Premières Nations par rapport à l'astronomie, je suis tombée sur un premier document, une thèse d'un anthropologue, une anthropologue qui s'appelle Sandrine Seta, qui est allée avec différents interprètes dans les réserves éloignées, Innu, du Québec, plus particulièrement près de Shepherdville. Et puis, il y a une histoire dans cette thèse-là qui m'avait vraiment attiré l'œil. C'est une histoire d'un canot céleste. Et ce canot-là est en fait composé de deux constellations que les gens connaissent sous le nom de la Grande Ourse et d'Orion. Donc, vous reconnaissez la Grande Ourse ici, Orion. Et bon, pour les Innus, la Grande Ourse, c'est un pékan ou une martre. Et le mot Innu, pour ça, c'est Utchek. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu Utchek dans les dernières slides? Bon, on va revenir aussi sur ce mot-là bientôt. Et puis, Orion, c'est Kwekwachu, un mot Innu sur lequel le mot en fait français carcajou est basé. Donc, c'est le carcajou qui est ici à l'avant du canot. Et les deux voyagent dans le ciel, donc sur ce canot-là, rament dans le ciel. Et c'est un canot qui voyage du nord au sud à chaque nuit, mais aussi à chaque année. Et là, j'ai encore utilisé mon petit Terry Knight qui va nous permettre de regarder ces constellations et leurs mouvements dans le ciel autour du mois de décembre. Donc, vous voyez le Pékin ou Utchek qui est ici. Et maintenant, on va voir dans pas trop long Kwekwachu. Voilà, Kwekwachu est là. Et donc, le canot est ici. Donc, Utchek est aligné avec le nord quand il se lève. Et là, plus le temps avance, plus Orion se lève. Et là, il forme une ligne droite entre le nord et le sud. Et ça, c'est super important. Et puis, le canot continue de tourner dans le ciel. Et puis, à chaque nuit, comme ça, ça tourne. Et aussi, à chaque année, le canot se décale et tourne. Et ça, ça permettait aux Innus de tracer le changement des saisons, la position de ce canot-là dans le ciel. Donc, c'était une énorme constellation, on s'entend, qui traversait tout le ciel et qui englobait deux autres constellations avec potentiellement des étoiles au centre pour le canot. Puis bon, elle permettait de tracer les saisons, mais aussi d'autres choses qu'on va voir dans quelques slides. Et ça, c'est pour les Innus, mais les constellations Innus, j'ai pas de carte du ciel, malheureusement, elle n'existe pas. J'espère qu'un jour, je vais être capable de recréer une carte du ciel Innus qui va être basée justement sur les savoirs et la tradition orale, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Je peux par contre partager avec vous des cartes du ciel de d'autres communautés. Il y a un travail incroyable qui a été fait pour l'écrit par Wilfred Buck, Annette Lee, William Wilson. Puis là, on voit certaines des constellations typiques de ces communautés-là ici, avec l'araignée, on a l'ours aussi. Et maintenant, je vais vous montrer les Ojibwés qui ont un caribou, qui ont le loom. Bon, j'oublie le mot français. Et le Utchek, donc, qui est en fait encore une fois le Pékin. Donc, ce qui est le fun
quand je regarde la carte des Ojibwe, je vois déjà une ressemblance, une similitude entre la carte du ciel Ojibwe et la carte Innu, qui sont quand même proches aussi sur le territoire. Là, vous voyez, Uchak est là, le Pékin, et vous voyez une flèche dans sa queue. Puis ça aussi, je vais revenir là-dessus dans pas long, parce qu'on va parler d'une histoire super importante des Premières Nations reliée à ça. Et en fait, c'est une histoire, là, j'ai mis mon titre « commune à tous », mais en fait, c'est pas commune à tout le monde au Canada, mais beaucoup de communautés au Canada, les Ojibwe, les Cris, les Innus, ont une histoire qui est véhiculée par la tradition orale. Puis la première fois que je l'ai entendue, cette histoire-là, je l'ai vue sur le site web ici. Je vous ai mis le lien. Par contre, quand j'ai essayé d'y accéder, leur serveur n'était pas fonctionnel. Donc, j'espère que là, leur serveur va revenir en ligne. Mais c'est une vidéo de notre poète Innu, Joséphine Bacon, qui raconte une histoire, et elle est excessivement bonne conteuse, une histoire, l'histoire d'une épopée qui est faite par un groupe d'animaux. Et je vais essayer de vous en donner un petit aperçu. Par contre, l'histoire, elle est tellement plus longue et plus détaillée. Donc, je vous invite vraiment à essayer de retrouver la vidéo de Joséphine en ligne. Et donc, c'est l'histoire de justement notre épopée avec le Pékin, avec Uchak et plusieurs autres animaux qui vont aller retrouver des oiseaux au sud. Et cette histoire-là, je l'ai lue dans différents ouvrages. J'ai lu plusieurs livres liés aux histoires Innu. J'ai lu la même histoire dans des livres du Labrador, dans des livres qui parlent des histoires des femmes Innu, et un peu partout, en fait, sur Internet, où les histoires sont disponibles. Et elles commencent toujours de la même façon, c'est-à-dire, il était une fois à un moment où l'hiver était éternel. Donc, il faisait très, très froid, c'était le pire hiver, et l'été n'existait pas. Et il y avait un petit garçon qui était très, très triste, qui pleurait parce que son grand homme, son Mistapéo, l'avait abandonné. Et sa famille lui a demandé « qu'est-ce qu'on peut faire pour te consoler? » Parce qu'il pleurait tellement, tellement qu'il dérangeait la forêt. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Il fallait faire quelque chose. Et le petit garçon a dit à son père « je veux pouvoir chasser les oiseaux d'été. » Puis son père lui dit « ah, mais les oiseaux d'été sont très, très loin. » Parce qu'à l'époque, l'été, c'était un endroit, c'était une place. C'était pas une saison. Donc, il fallait y aller. Et l'été était très, 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 très loin. Et donc, bon, le père ne pouvait pas y aller. Mais par contre, les animaux de la forêt se sont consultés et puis sont allés leur parler et leur dire « bon, ben nous, on va faire le parcours, on va aller chercher les oiseaux d'été pour que l'enfant arrête de pleurer. Mais en échange, tu vas arrêter de nous chasser. » Et là, le Uchak, le Pékin, le loup et le carcajou, plusieurs animaux vont se regrouper et partir vers une épopée. Il va y avoir plusieurs choses qui vont leur arriver. Mais il y a une partie importante de l'histoire et le moment où ils arrivent à l'endroit des étés, au territoire des étés, où il y a un homme qui tient à emprisonner les oiseaux d'été pour sa femme, parce que sa femme aime les oiseaux d'été, fait qu'il ne peut pas les laisser s'envoler. Et il vit sur une île et donc nos amis vont devoir embarquer sur un canot pour aller chercher les oiseaux d'été. Et il y a plusieurs choses qui vont arriver pendant l'histoire. C'est une histoire vraiment très, très drôle. Et vers la fin, quand Uchak, le Pékin, va rattraper les oiseaux, il va partir à la course et embarquer dans le canot avec la loutre. Et tout le monde va ramer pour se sauver. L'homme va quand même les poursuivre avec son arc à flèche. Et pour distraire l'homme, pour sauver ses amis qui s'en vont avec les oiseaux d'été, Uchak va sauter en bas du canot, aller sur la berge et monter dans un arbre. Et là, l'homme va lui décocher une flèche qui va l'atteindre. Et au moment où la flèche atteint Uchak, bien, Uchak va continuer à s'envoler vers le ciel et va devenir la constellation du Pékin, ou la constellation de Uchak. Et il va rester là parce qu'un jour, les hommes vont avoir besoin d'un repère pour pouvoir voyager et vont pouvoir utiliser Uchak comme repère pour faire leur voyage. Et donc, cette histoire-là, quand je l'ai lue, quand j'ai entendu, tout de suite, j'ai vu le lien avec la constellation du canot que j'avais lu dans la thèse de Sandrine Iceta. Et aussi, j'ai vu la connexion avec les constellations des Ojibwe, avec la flèche qui est dans la constellation du Pékin. Et aussi le nom des étoiles, Uchak Atak. Donc, les étoiles ont le nom qui correspond à l'esprit du Pékin. Donc, le Pékin et cette histoire-là, vraiment,
ont une racine très profonde dans le peuple Innu. Et là, vous vous rappelez que je vous disais au début de l'histoire que ça commençait toujours de la même façon, c'est-à-dire à une époque où l'hiver était éternel. L'hiver était très, très froid, un hiver très, très long. Et puis, en ramenant les oiseaux d'été et en laissant le petit garçon les chasser, bien là, il y a eu un accord qui a été fait entre les animaux d'été et les animaux d'hiver. Les oiseaux d'été passeraient 6 mois dans les territoires de l'hiver et 6 mois dans les territoires de l'été. Et c'est ça qui a créé les saisons. Et bien, là, vous allez voir où je m'en vais avec ça. C'est que il y a des cycles dans la nature qui fait que, au Canada, plus particulièrement, dans le temps, on peut avoir des hivers excessivement longs et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des aires glaciaires. Et il y a une aire glaciaire, en fait, qui a eu lieu il y a seulement 10 000 ans. Donc, on vient de sortir d'une aire glaciaire au Canada. Et les raisons, en fait, pour laquelle, il y a une raison astronomique pour laquelle on a ces périodes-là. C'est des cycles qui se passent sur des centaines de milliers d'années. Et c'est des cycles qu'on appelle les cycles de Milankovitch. C'est un chercheur qui a découvert ça et qui les a étudiés. Et là, je vous montre 3 choses qui se passent de vraiment spéciales avec l'orbite terrestre qui fait que parfois, on a des aires de glace. Donc, premièrement, il y a l'orbite de la Terre qui n'est pas un cercle parfait, qui est une genre d'ellipse. Puis, à tous les 100 000 ans, 400 000 ans, cette ellipse-là, elle s'allonge, elle redevient circulaire, elle s'allonge. Puis, il y a aussi 2 autres choses, qui est le fait que la Terre, elle est penchée, elle tourne sur elle-même de façon inclinée. Et puis, cette inclinaison-là change un tout petit peu. Puis, en plus de changer, ça, c'est à toutes les 41 000 ans, en plus de changer un tout petit peu, mais ça tourne, un peu comme une toupie. Et tout ça, ça fait qu'on ne reçoit pas toujours la même quantité de lumière et surtout pas au pôle. Et ça, c'est super important parce que la quantité de lumière qu'on reçoit au pôle, bien, ça fait que la croûte de glace, la quantité de glace qu'on a sur la calotte glaciaire change énormément. Et là, je ne vous parle pas des réchauffements climatiques. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été étudiées des centaines de milliers d'années, donc plusieurs cycles. Les changements climatiques qu'on voit aujourd'hui sont bien réels et sont complètement séparés. Tout ça sont vraiment dus à l'activité humaine. Mais là, je vous montre, bon, c'est ça, j'ai ma petite vidéo avec ici la photo du film de l'ère de glace. J'espère que vous avez aimé ce film-là. Je suis une grosse fan. Mais on voit ici la croûte de glace qui est le long du cercle arctique qui descend et qui couvre éventuellement pendant la période glaciaire tout le Canada. Et pendant la dernière période d'ère de glace qu'on a eue au Canada, ben on avait des mammouths. On avait des mammouths laineux. Et ça, c'est connu au Canada. Les mammouths laineux étaient répartis un peu partout sur le territoire. Et là, je vous montre, bon, là, on voit ici la température sur Terre, la température moyenne. Puis là, on remonte dans le temps. Donc ici, ça, c'est la date d'aujourd'hui, si on veut. Et si on remonte dans le temps, mais là, on voit que la température moyenne est descendue, montée. Et là, les pics où c'est chaud, bien là, on parle de période en dehors des époques glaciaires. Puis quand c'est froid, bien là, on parle vraiment de la calotte glaciaire a grossi, puis il fait super froid, et les hivers sont éternels. Donc, nos mammouths étaient là. Et les hivers étaient éternels depuis très longtemps. Et là, je reviens à cette image-là. Vous pouvez voir, la dernière ère de glace a duré assez longtemps. Et les mammouths vivaient à parfait équilibre avec ce genre de climat-là. Mais quand le climat s'est réchauffé, ben c'était pas idéal pour eux. Et des mammouths, bon, là, on a une image un peu plus réaliste de ce que les mammouths devaient avoir l'air. C'était des monstres, c'était des éléphants gigantesques. Et il y a des histoires dans les Premières Nations, en fait, des histoires comme celle de Tsakapesh. Tsakapesh, qui a plusieurs histoires dans les communautés Innu, qui est un peu comme le héros dans beaucoup, beaucoup d'histoires. La première histoire, l'une des premières histoires qui parle de la naissance de Tsakapesh, parle aussi des mammouths. Et dans cette histoire-là, Tsakapesh, ses parents vont malheureusement se faire tuer par un monstre qui, dans la description, c'est sûr que le mot mammouth n'existait pas, mais la description, c'est que c'est un ours avec une tête énorme, disproportionnée, dont les jambes ne peuvent pas se plier. Qui doit s'accoter sur un arbre pour pouvoir dormir. Il ne peut pas se retrouver au sol, parce que s'il se retrouvait au sol, il ne pourrait pas se relever. Et aussi qu'il y a des dents très, 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 très longues qui peuvent transpercer le corps de cet homme. Et donc, dans cette histoire-là, les parents de Tsakapesh, pendant même que la mère de Tsakapesh est enceinte de lui,
vont se faire tuer et sa sœur va sauver de sa capèche et va l'élever, va l'apprendre à, lui apprendre à chasser. Et de sa capèche, plus vieux, va devenir très, très bon chasseur et va éventuellement pouvoir aller abattre le monstre qui a tué ses parents. Et selon l'histoire, de sa capèche aurait tué le dernier mammouth qui était en extinction pendant cette période-là. Et là, si vous ne croyez toujours pas que cette histoire-là est vieille de 10 000 ans, parce qu'elle aurait été véhiculée depuis l'extinction des mammouths, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, bon, là, c'est des histoires, là, on n'a pas de preuves. » Eh bien oui, on en a des preuves parce que, et j'ai lu il n'y a pas très longtemps, certains chercheurs ont finalement découvert que, finalement, les peuplements de la Nouvelle-Angleterre ou de la Nouvelle-France ont en fait interagi avec les mammouths et il y a des preuves de ça dans les ossements qui ont été découverts des mammouths, qu'il y avait eu de la chasse et tout ça. Donc, j'espère que vous me croyez maintenant que cette histoire-là de Tsakapesh, qui décrit la forme des mammouths et l'interaction des mammouths avec les Premières Nations est réelle, et aussi que notre histoire du canot qui ramène les étés en ramenant les oiseaux d'été est aussi une histoire issue de la période glaciaire où l'hiver était éternel et qu'un jour, Utchek a pu ramener les saisons. Et puis, ben, quand je vois tout ça, moi, ça me fait juste penser à ma pointe de flèche que j'ai retrouvée dans le lac en face de mon campement. Parce que quand je l'ai trouvée, j'ai essayé de retrouver quelqu'un qui pourrait me donner l'âge de cette pointe de flèche-là. Puis, il y a un spécialiste qui m'a dit qu'elle devrait être autour de 8000 ans. Donc, 8000 ans, c'est très, très peu de temps après l'époque glaciaire. Donc, le peuplement du Canada et la présence des différents peuples du Canada a vraiment chevauché avec la période glaciaire et les gens vivaient là. Et Tsakapesh, il y a plusieurs histoires qui viennent, qui lui sont associées. Il y en a une autre que j'aime vraiment beaucoup partager, qui est une histoire sur Tsakapesh quand Tsakapesh attrape le soleil. Parce qu'en plus d'être un héros national, Tsakapesh a des pouvoirs spéciaux. Et il est aussi reconnu comme étant l'homme sur la lune. Donc, quand les Innus regardent la lune, c'est pas un lapin qu'on voit, c'est pas un personnage, c'est Tsakapesh qui prépare son bois pour l'hiver. Et puis Tsakapesh, quand, dans l'histoire où Tsakapesh attrape le soleil, puisque Tsakapesh est la lune, on parle d'une éclipse solaire, en fait. Donc, Tsakapesh prépare un collet, le temps dans le bois, et le lendemain matin, le soleil ne va pas se lever. Et donc, le collet, en fait, représente là, en fait, presque parfaitement ce qui va se passer le 10 juin prochain, avec une éclipse annulaire où on a encore un anneau de lumière autour de la lune qui représente le collet de Tsakapesh. Et il y a des histoires qui parlent d'éclipses un peu partout. Il y en a une autre du peuple Inuit avec Malina et Aningan. J'ai pas le temps aujourd'hui d'aller dans les détails de cette histoire-là. Par contre, on a fait une vidéo en ligne pour l'événement du 10 juin. Puis encore une fois, je vous mets un code ici. Donc, si vous voulez aller regarder les vidéos, je fais une présentation un peu plus détaillée de l'histoire de Tsakapesh et du collet et l'histoire de Malina et Aningan sur les éclipses solaires. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. On a d'ailleurs traduit cette vidéo-là en anglais et en français et aussi dans 9 langues des Premières Nations parce que justement l'éclipse qui s'en vient va vraiment être idéale pour le Canada et le nord du Canada, principalement le Nunavut et tout ça. Et si vous êtes intéressé, on a tout fait ça en collaboration avec À la découverte de l'univers. Ils ont un site web génial qui permet aussi d'accéder à plein d'informations sur l'éclipse. Fait que pour être sûr de ne pas la manquer, vous pouvez aller sur leur site et cliquer sur le bouton ici. Et ça va vous amener vers différents outils là, que vous pouvez utiliser pour planifier vos observations. Et puis, éclipse en Innu aussi a un nom. Donc, Chekushimu, c'est éclipse en Innu. Et là, dépendamment où vous êtes, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont au Québec. Donc, vous allez voir une éclipse partielle. Ça, cette carte-là montre comment est-ce que les gens vont percevoir l'éclipse dépendamment d'où ils sont. Donc, si vous êtes dans la bande jaunâtre, vous allez manquer un peu le début de l'éclipse. Par contre, quand le soleil va se lever, donc c'est très, très tôt le matin, vous allez pouvoir la voir et voir jusqu'à la fin. Et si vous êtes en Ontario ou plus au nord du Québec, ben voilà, vous allez voir soit la bande d'annularité, donc l'éclipse totale annulaire ici, ou l'éclipse très, très proche des totales annulaires dans le nord du Québec. Donc, manquez pas ça. Et puis, c'est sûr que si vous l'observez, moi, j'ai mis ça juste pour être sûr de me rappeler, de vous dire, faites attention à vos yeux, il faut protéger nos yeux quand on observe les éclipses solaires. Donc, procurez-vous un filtre solaire pour pouvoir l'observer. Ou il y a différentes techniques aussi qu'on peut faire pour projeter la lumière du soleil qui sont disponibles en ligne. Donc, essayez de planifier ça pour être sûr d'avoir les bons outils pour faire les observations. Et puis, si vous la manquez, si jamais il y a des nuages, il ne fait pas beau,
Mais consolez-vous, il va y avoir un autre phénomène céleste assez exceptionnel à la fin de l'année, en décembre. On va avoir la visite de la comète Leonard, qui va potentiellement être visible à l'œil nu, mais que ça se peut qu'on ait juste besoin d'une paire de jumelles pour la voir. Donc, au mois de décembre, là, manquez pas ça avec Leonard. Et là, j'ai deux autres histoires que je veux partager avec vous qui m'ont un peu, qui m'ont super impressionnée. Puis qui montre encore une fois comment il y a des informations cachées à travers les histoires, des relations, puis aussi beaucoup de compréhension de la physique puis de la science. Puis ça, c'est une histoire qui a été partagée avec un de mes collègues qui travaille pour Connexion Nord. Lui, il est Ojibwe. Puis il m'a dit un jour que un des aînés de sa communauté lui avait parlé de la constellation d'Orion. Puis pour les Ojibwe, la constellation d'Orion, qui pour les Inuits et les Kwikwatchu, le Carcajou, c'est... le Wintermaker ou le faiseur d'hiver. Et le faiseur d'hiver, c'est Orion. Et Orion, c'est une constellation d'hiver qui s'élève à l'hiver. Et il dit que l'aîné lui parlait qu'ils utilisaient les trois étoiles de la ceinture du faiseur d'hiver pour prévoir la météo de l'hiver entier ou de la météo à long terme. Puis là, quand il m'a dit ça, il était un peu... il se disait, ah, probablement que c'est juste une histoire puis que c'est pas réel parce que les étoiles bougent pas vraiment... la séparation entre des étoiles, ça change pas. Mais quand il m'a envoyé ça, j'ai dit, attends un peu, je pense que ça se peut. Je vais t'expliquer pourquoi. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là derrière avec le soleil, où on voit des effets spéciaux qui se passent au soleil quand il franchit l'horizon. Et les trois étoiles de la ceinture d'Orion, ben, c'est des étoiles qui ont des couleurs à peu près bleutées. Et il y a un phénomène qui se passe quand les étoiles sont tout près de l'horizon. Et c'est aussi là qu'on peut plus facilement les mesurer parce qu'il y a des objets autour. Et il y a un phénomène qui s'appelle la réfraction atmosphérique. Ça, c'est un mot très scientifique pour dire que à cause de l'atmosphère de la Terre, ça courbe les rayons lumineux. Fait qu'au lieu de voir l'étoile où elle est censée être, bien, elle se déplace. Puis en fait, elle n'est pas exactement où on la voit. Puis ça, ça se passe à tous les couchers ou levers de soleil. Donc, quand on regarde le coucher de soleil, bien, le soleil n'est plus là, pantoute. En fait, c'est la réfraction atmosphérique qui fait qu'on voit encore le soleil pendant le coucher de soleil pendant un bon moment, à cause que les rayons lumineux sont courbés. Et ça, bien, plus l'étoile se lève, plus ça s'estompe, puis plus on voit l'étoile en ligne droite, puis les rayons ne sont plus courbés. Donc, du coup, quand Orion se lève à l'horizon, on a nos trois étoiles de la ceinture qui passent à travers l'horizon, puis un peu comme le soleil, bien, leur position peut changer à cause de ce phénomène physique-là. Et puis, comme vous le voyez ici, bien là, c'est un peu dramatique, là, l'image que j'ai choisie du soleil. On voit vraiment là, les couches, puis le soleil qui est aplati en haut, aplati en bas. Donc, on peut s'imaginer que le soleil est comme aplati pour cette image-là. Dans d'autres couchers de soleil, le soleil peut avoir l'air super rond. Et ça dépend de ce qui se passe dans l'atmosphère de la Terre. Du coup, s'il y a plus d'eau, si c'est plus humide, bien, ça va changer le phénomène de réfraction, puis le soleil va changer de grosseur. De la même façon que ces étoiles-là peuvent changer de distance. Donc, quand il raconte l'histoire de l'ancêtre Ojibwe qui lui parle de comment les Ojibwe pouvaient utiliser la ceinture d'Orion, la distance entre étoiles et la ceinture d'Orion pour prévoir la météo à long terme, moi, je dis il y a quelque chose de vrai là-dedans parce que probablement, il pouvait dire s'il y avait beaucoup d'humidité ou moins d'humidité dans l'atmosphère à différentes hauteurs dans les différentes couches de l'atmosphère. Fait qu'il y a beaucoup de physique de cacher derrière tout ça. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Et puis finalement, il y a une autre histoire que j'ai tirée encore une fois de la thèse de Sandrine Seta. Et là, je vous l'ai mis directement ici. C'est vers la fin, dans ses conclusions, elle parle d'une de ses informatrices de Schefferville. Donc, Schefferville qui est vraiment au nord du Québec, qui lui parle d'une... Puis ça, c'est une femme qui est déjà elle-même âgée de 80 ans. Okay? Et ça, c'est dans les années 90, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas grand-chose à Schefferville, pas façon de communiquer facilement. Et elle parlait de sa grand-mère, donc qui était encore plus vieille, mais c'est sûr qu'elle n'existait pas, elle était déjà décédée dans les années 90. Mais sa grand-mère lui avait enseigné des choses et elle était capable elle-même de faire des observations des étoiles jusqu'à comprendre le spectre des étoiles. Et quand on parle du spectre des étoiles, c'est justement... Ces petits arcs-en-ciel de couleurs, ça, c'est le spectre des étoiles, leurs couleurs et comment le tout se propage. Donc, sa grand-mère parlait de connaissance du spectre des étoiles et de leurs couleurs. Et que si
elle-même, elle n'avait pas pu refaire ces observations-là. Elle savait que sa grand-mère elle-même les avait expérimentées et pouvait les faire. Donc, probablement une super astronome dans la communauté qui était probablement là au début des années 1900 ou vers la fin du 18e siècle. Et là, avant de terminer, je vais vous raconter une dernière petite histoire. Parce que pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je vais rechercher l'information dans les histoires des Premières Nations? Pourquoi pour moi c'est important? Justement parce que j'ai l'impression de redécouvrir des savoirs qu'on connaissait déjà. Et ça, c'est très, très important pour justement l'appropriation de la science, pour aussi inciter les jeunes de toutes les communautés à participer à l'aventure scientifique puis à faire des carrières en science, parce que les gens d'un peu partout dans le monde, de toutes les communautés, ont contribué à leur façon au savoir scientifique, puis on peut encore continuer de le faire. Puis, il y a une histoire que Joséphine Bacon m'a racontée pendant une interview avec elle. Elle parlait justement des voyages de nuit, donc comment les chasseurs revenaient au campement de nuit et comment ils utilisaient aussi la forme de la cime des arbres sur le surplomb du firmament. Donc, ils pouvaient reconnaître la forme de la tête des arbres et les utiliser comme des visages pour reconnaître leur chemin jusqu'au campement. Et ça, c'est absolument génial. Donc, ils avaient une mémoire incroyable sur les formes et aussi sur les formes des étoiles et des constellations pour reconnaître leur chemin. Et une chose que mon père m'a enseignée quand j'ai commencé la chasse, c'est souvent quand on chasse, on entend un bruit, on a le goût de partir dans le bois puis de marcher dans une direction. Puis c'est très facile de se perdre dans le bois. Donc, il me disait souvent, Laurie, si tu pars puis tu marches vraiment dans le bois où il n'y a pas de chemin, prends le temps de te retourner puis de regarder souvent derrière toi parce que tu vas te rappeler des arbres, tu vas te rappeler de la roche, de la branche, de tous les détails. Et puis quand tu vas décider de revenir au campement puis tu vas te retourner, c'est ça que tu vas voir. Tu ne verras plus la même image que quand tu marchais par en avant. Donc, si on veut aller de l'avant puis pas se perdre, il faut souvent regarder derrière nous puis regarder dans les histoires. Donc, quand vous regardez le ciel, j'espère que vous allez voir Uchek et que vous allez savoir qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Et aussi que les étoiles elles-mêmes sont nommées Uchek Attack ou l'esprit du Pékin. Donc, je vous remercie beaucoup puis je vais prendre vos questions. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour le miroir du télescope, j'ai trouvé la réponse. Le miroir du télescope, il est fait en serre vitre. C'est l'explication que j'ai trouvée sur Internet. Des questions? OK. Une question ici de Stéphane Latour. Impressionnant le ciel dans le nord du Québec. Pourquoi ne pas mettre des télescopes à ces endroits? Oui, c'est une bonne question. Écoute, quand on pense à construire un télescope, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Donc, la qualité du ciel, hein, quand il n'y a pas de pollution lumineuse, les villes, ça aussi, c'est un plus. L'accessibilité, ça, c'est une autre chose. Il faut qu'il y ait une route. Souvent, les projets de télescopes ont pas assez d'argent pour construire une route qui se rend trop loin. Donc, ça, c'est un autre aspect qui fait que le nord du Québec devient assez... une entreprise un peu challengeante. puis ensuite, le fait d'être proche des instituts qui fabriquent les pièces. Ici à Hawaï, le fait qu'il y a plusieurs télescopes qui collaborent entre eux, ça c'est vraiment un plus. Quand on a justement des réserves scientifiques où plusieurs agences de différents pays contribuent, bien, ça réduit énormément les coûts parce que ça coûte très cher justement d'avoir ces installations-là. Par contre, bien, on a 6 mois par année. Si on était vraiment dans le nord, il y a 6 mois en continu où on peut avoir des observations. Puis ça fait que, par exemple, au pôle sud, ils ont des installations astronomiques pour faire de l'astronomie là-bas et des projets scientifiques spécifiques à ça. Donc, ça a des avantages. Puis d'ailleurs, j'ai des idées. Peut-être dans le futur, on pourra peut-être faire des collaborations justement avec les communautés du nord parce qu'on pourrait faire des projets en installant des petits télescopes sur les écoles des différentes communautés. Puis les faire travailler ensemble. Quand on a des petits télescopes installés un peu partout, on peut les connecter entre eux puis avoir le même impact qu'un énorme télescope. Donc, ça serait vraiment génial de pouvoir faire ça. Effectivement. Il y avait un commentaire de Pierre Paquet qui a dit que je viens de lire l'article avec intérêt quelques mois à la Science Géographique. On mentionne que les vierges et le bouvier, notamment, dateraient d'environ 30 000 ans. Ouais.
Je dois comment faire. Voir pendant le temps. Bon. J'espère que j'ai réussi à convaincre tout le monde que mes histoires étaient vieilles de 10 000 ans au moins. Ouais. Est-ce que les jeunes Innus démontrent un intérêt pour s'approprier cette mythologie liée au ciel étoilé? Oui, bien écoute, je pense que c'est un truc qui devient, qui prend de vraiment un envol là, présentement. Il y a plusieurs projets que j'ai entendus. Je sais que dans Charlevoix, avec certaines communautés, ils ont travaillé avec le musée justement pour faire une présentation là-dessus avec les jeunes. Puis aussi, les planétariums ont demandé à avoir différentes productions qui montrent justement les constellations puis le savoir autochtone. Puis, quand on parle avec les gens d'un peu partout dans les communautés, ils sont super intéressés de parler de ces histoires-là puis d'échanger parce que pour eux aussi, c'est important de garder les histoires en vie. C'est pas pour rien que c'est des histoires de 10 000 ans, là. Il faut vraiment qu'on continue de les raconter puis tout ça. Fait que je pense qu'au Canada, si on peut faire un petit bout du travail, justement, puis partager ces histoires-là, puis utiliser aussi les noms qui sont associés aux constellations autochtones, quand on vit proche d'un village Innu, quand on vit proche d'un village Ojibwe, ainsi de suite, ça serait génial. Ah ben c'est savoir aussi, dans le fond, des anciens qui se perpétuent. C'est intéressant. Ouais. Bon, il y a beaucoup de commentaires, donc une très bonne présentation. Super, merci beaucoup. Passionnant. Merci. Bon, il y en a déjà qui veulent que tu reviennes. OK. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires, il n'y a pas d'autres questions. On va attendre quelques instants, voir si on a des questions. Oui, je ne suis pas prêt à dire. Pensez-y. Il y a une chose que tu n'as pas mentionné au début, c'est que bon, tu as parlé de ton travail, etc. Ouais. Mais tu n'as pas parlé aussi. Où tu observais? Est-ce que tu observes sur la montagne ou tu observes ailleurs que sur la montagne? Oui, on est à distance. Donc, comme astronome résidente, là, moi, je fais le planning des nuits, je fais des genres de plans. On a des observations de plein de monde, de plein d'astronomes partout dans le monde qui veulent des observations. Fait qu'on a une espèce de système, une genre de base de données. Puis on a tout ce qui doit être observé. Puis nous, comme astronome résident, on trouve le meilleur plan pour avoir les objets quand ils sont le plus haut dans le ciel, au bon moment, et ainsi de suite, pour vraiment pointer le télescope efficacement, puis pas avoir de temps mort. Et quand notre plan est prêt, on envoie ça à l'opérateur de nuit. J'ai même pas besoin d'être debout la nuit. Je me rappelle, un peu comme les médecins à l'urgence, mais moi, c'est juste pour le télescope, il n'y a pas de danger. Et donc, ils vont suivre le plan. Et là, si on a des questions, si on a des problèmes techniques, ça se peut qu'ils m'appellent en plein milieu de la nuit, me disent « Ah, Laurie, peux-tu regarder telle image? Il y a un truc bizarre ou... » la caméra a fait un truc étrange. Mm-hmm. Et ils vont m'appeler dans ce temps-là. Mais je suis à distance. Puis même l'opérateur de nuit est lui aussi dans un bureau à distance dans une ville qui s'appelle Waimea, qui est au nord de l'île. OK. Merci. Question ici de Paul. Dis-nous, avait-il observé le mouvement des planètes? Ça, c'est une super bonne question. C'est une question que je me pose parce que parfois, dans les histoires, tu sais, c'est un travail assez incroyable de retirer l'information puis tu sais, de vérifier que quand j'associe une information d'une histoire, c'est vraiment relié à un phénomène céleste. Puis souvent, c'est très imagé dans les histoires Innu. Donc, pour les planètes, je suis pas certaine à 100%, mais j'ai envie de dire, tu sais, quand on pense au peuplement de l'Amérique, il y a eu tellement de partages du Brésil jusqu'au... et puis même dans la langue, il y a certains mots qui sont partagés. On sait qu'ils interagissaient jusque avec des peuples qui étaient en Amérique centrale et qui ont eu des études incroyables sur le mouvement des planètes, quand je parle des Aztèques, des Mayas, tout ça. Donc, j'ai pas de preuves concrètes à vous proposer sur ça. Par contre, je sais que dans les histoires, par exemple, dans l'histoire de Tsakapèche, éventuellement, quand Tsakapèche monte au ciel pour aller sur la Lune, il envoie sa sœur sur Vénus. Donc, Vénus, qui est l'étoile du chasseur, qui était utilisée aussi sur les chasseurs. Fait que je sais que les chasseurs utilisaient Vénus et savaient que Vénus était à l'horizon, puis qu'il y a différentes. Fait qu'ils pouvaient l'utiliser pour repérer leur campement aussi. Mais tu sais, pour ce qui est de des mouvements détaillés, puis des datations et des calculs aussi des orbites, je n'ai pas de preuves concrètes. En tout cas, les Incas, puis entre autres, les Incas, les Aztèques, ils regardaient les planètes. Exact. Puis eux, ils ont les monuments, les tablettes, les pyramides. Hein, qui sont, qui, fait,
il y a vraiment beaucoup plus de preuves. Donc, c'est vraiment un contexte complètement différent. Mais ouais, eux, il y avait, c'est ça. Ils ont tout gardé. Il y a des bâtiments qui sont faits justement pour voir passer Vénus à telle période de temps, etc. Ouais. Oui, une question pour la Lune. Dans les mythes cosmogoniques des Premières Nations, parle-t-on de l'origine de la Lune? Oui, bien c'est ça. J'ai comme rattrapé tout de suite avec Tsakapesh. Donc, dans l'histoire de Tsakapesh, il y a plusieurs mythes de Tsakapesh. Tsakapesh aussi avait la possibilité de se transformer. Il était capable de se transformer en animaux. Donc, ça c'est justement dans l'autre monde du Mistapéo, là, c'est dans la spiritualité Yu et tout ça. Et dans une des histoires de Tsakapesh, il va vouloir aller jusqu'au ciel et il va souffler sur un arbre pour le faire pousser très, très haut, très, très grand. Et il va commencer à monter sur l'arbre. Et d'ailleurs, je pourrais vous trouver le lien. Je sais que cette histoire-là, elle est écrite et disponible en ligne. Donc, ça explique comment Tsakapesh a monté jusqu'au ciel et est devenu la Lune. Intéressant. Avez-vous comparé vos observations à des peuples eurasiens du Nord, la Finlande, la Russie, la Laponie? J'ai pas fait ça, mais c'est une bonne question. Parce que justement, ils sont nordiques aussi. Il y avait aussi des peuplements nomades par là, donc ça serait vraiment intéressant. J'ai l'impression que souvent, c'est la barrière de la langue. Sûrement qu'ils ont des textes qui sont disponibles, qui expliquent tout ça. Par contre, ils ne sont pas nécessairement français ou en anglais. Il faudrait que je trouve un traducteur qui a été initié dans ce genre de recherche-là pour qu'on compare nos recherches, ça serait génial. Entre autres, les Vikings servaient des étoiles aussi pour naviguer. Oui. OK, un autre. Est-ce que l'origine des Pléiades pour les Innus semble la même histoire des Satyres à les monter au ciel? Non, mais il y a différentes choses avec les Pléiades. Puis ce que je trouve, parce que les Pléiades sont importantes, ils sont dans des histoires. Ils sont, entre autres, liés aux tentes tremblantes pour les Innus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la cérémonie de la tente tremblante. Donc, c'était une des méthodes pour laquelle que le chaman utilisait pour pouvoir se connecter justement au monde des esprits. Et le chaman, d'ailleurs, tournait trois fois autour de la tente. Donc, le cercle imaginaire du soleil, là, trois fois dans le même sens que le soleil autour de la tente avant de rentrer à l'intérieur. Et la porte était alignée avec le soleil à midi. La tente, la façon que les morceaux de la tente étaient alignés devait représenter la position des étoiles dans les Pléiades. Et pour plusieurs Premières Nations, les Pléiades, c'est le trou dans le ciel. Dans certains, plus au sud, Iroquois, Hurons, il y a une histoire liée à deux femmes qui sont tombées du ciel. L'île de la Tortue, là, j'ai pas parlé beaucoup de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment d'autres communautés, mais c'est lié aux Pléiades. Puis pour les Inuits, il y a une histoire avec une femme qui est enceinte, donc il y a encore une histoire de femme. Et c'est ses frères, les trois étoiles de la constellation d'Orion, qui vont chasser un ours qui se fait entourer par des chiens de traîneau. Et ça, c'est la constellation des Pléiades, l'ours qui se fait entourer par les chiens. Donc, il y a encore une espèce de conception de chasse. La femme est importante, mais souvent, c'est lié à l'ours ou au trou dans le ciel, l'espèce d'endroit où tu peux passer entre les deux mondes pour les Pléiades. Ouais. Merci. Charles, quelle est l'importance de l'étoile polaire chez les Inuits? Super important. Donc, le Uchek, notre Pékin, qui est la constellation de la Grande Ourse. Dans beaucoup des écrits, dépendamment des endroits, c'est le Grand Pékin et le Petit Pékin. Donc, la Petite Ourse, c'est encore le Pékin. Et même dans l'histoire, tu sais, quand le Uchek va sur la rive et monte dans un arbre et se fait décocher une flèche, puis là, il le monte encore plus haut vers le ciel. Moi, j'ai eu l'impression, mais encore une fois, je ne peux pas le prouver, que c'était une représentation de quand la Grande Ourse fait son mouvement autour de l'étoile polaire, elle monte au zénith, mais l'étoile polaire reste là, puis la Grande Ourse redescend. Donc, j'ai l'impression que c'est une façon dans l'histoire de véhiculer justement l'espèce de transfert de l'esprit du Pékin, du grand Pékin vers le petit Pékin ou l'étoile polaire. Mais c'est ça, c'est dans les méthodes imagées. Là. Merci. Francis, est-ce que tu aurais une recommandation pour des livres sur les traditions autochtones relativement à l'astronomie? Ah, c'est difficile, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage qui est uniquement
liés à ça. Je sais que pour les Inuits, il y a Bernard Saladin qui a fait un travail incroyable et il a plusieurs livres. Il a passé des mois là-bas et c'est un anthropologue, c'était sa vie d'écrire ces livres-là. Donc, ils sont chanceux d'avoir autant de livres et de littérature sur le sujet. Pour les Inuits, il a fallu vraiment que je cherche dans plusieurs ouvrages, mais ça m'a quand même permis de lire des choses de façon plus variée. Fait qu'à travers mes recherches, ça m'a permis un peu de m'ouvrir l'esprit sur bien des choses liées aussi à la culture Inuit, les pratiques de chasse, aussi les façons de vivre, la façon de faire de la nourriture et tout ça, puis les relations familiales entre les différents individus. Mais c'est, il y a beaucoup de livres aussi en anglais, donc ça dépend du lecteur. Je pense que celui-là sera un bon choix. Même si c'est pas, c'est un livre en anglais, c'est Inuit Women's Voices. Puis le titre, c'est « It's like in the legend », je vais vous le montrer, là. Ça, c'est un livre qui contient plein de petites histoires relatées directement avec une traductrice de la voix vraiment des femmes Inuits. Et il y a certaines de ces histoires-là qui sont justement liées à certaines constellations, mais ce n'est pas direct. Donc, encore une fois, c'est avec le travail d'astronome, tu sais, qu'on peut aller faire le lien. Mais ouais, c'est ça. J'en ai d'autres qui sont un peu plus directs. J'avais Wolverine Create the World. Ça, c'est le carcajou crée le monde. Donc, il y a une cosmologie aussi autour du carcajou qui est super important. Puis, c'est ça. C'est difficile d'avoir beaucoup de littérature. Ouais. Mais c'est ça, je pourrais partager quelques liens avec vous. Peut-être qu'un jour, je vais écrire mon propre livre. Qui sait? Ouais, OK. Je rajouterai les liens dans le YouTube. Comme commentaire. Parfait. Ici, dans les mythes cosmologie des Premières Nations, part-on de l'origine de lac Nastapuka, situé dans l'est de la baie du Tsa? Donc, on parle d'un cratère? Là, il faudrait que je vérifie. Non, mais je ne sais pas. L'origine de lac. Oui, parce qu'il y a une forme... Écoute, j'ai lu une histoire, justement, dans le livre « Wolverine Create the World », qui parle, je pense, d'un impact d'astéroïde. Donc, là, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle, mais je pense parler de cette petite histoire-là. C'est une histoire qui parle d'un chaman qui, un jour, parce qu'il est fâché que l'univers ne l'écoute pas, va lancer sa pointe de flèche dans le ciel. Et puis là, il y a un grondement énorme, intense, qui se fait entendre tellement que les gens doivent mettre leurs mains sur leurs oreilles pour pas que leurs oreilles explosent. Et il y a des roches aussi qui explosent. Et là, à la suite de ça, le lac qu'il y a devant lui, les poissons tournent sur leur dos et tous les poissons meurent. Et donc, là, je ne sais pas si c'est un impact d'astéroïde ou si c'est un éclair, mais... Dans cette histoire-là, les roches qui explosent forment la Voie lactée. Donc, il y a comme un lien encore avec les étoiles qui éclairent dans cette histoire-là. Puis, j'ai comme l'impression qu'ils ont peut-être déjà vu des météores, des gros météores qui faisaient du bruit intense, tout ça. Mais tu sais, c'est pas spécifique à une région comme ça, par exemple. Merci. Ah, une dernière question. Est-ce que le soleil était perçu comme une divinité comme dans plusieurs autres cultures, entre autres l'Égypte, l'Égyptienne? Oui, dans le fond, la lune est vraiment comme au centre de la culture Inuit. Tu sais, comme je vous disais, c'est la lune qui fait qui calcule le temps. La lune était super aussi associée aux femmes, avec le cycle des femmes et tout ça. Le soleil, quand j'ai lu là, sur un peu partout dans le territoire, le soleil était super important pour les Mi'kmaq sur la côte est. Pour les Mi'kmaq, le soleil était la chose qui te donnait ton âme. Et ton âme, en fait, c'était ton ombre. Et donc, le soleil, sans le soleil, un corps n'avait pas d'âme. Et dans la mythologie, la spiritualité Mi'kmaq, quand quelqu'un décédait, il perdait son ombre. Et son ombre allait dans un autre monde où il pouvait continuer à chasser et tout ça. OK, je crois qu'on n'a pas d'autres. On a des félicitations beaucoup. On n'a pas d'autres questions, je crois.
Non, ça ne semble pas d'autres questions. Je vais rien que rajouter une petite chose. Mais aux prochaines conférences. La prochaine conférence va être le 28 mai. Ici. La mission Gaïa, la cinémathèque par Jonathan Gagné, qui est un astronome aussi au planétarium. Ça va être la dernière conférence, dans le fond, de la saison. Le 11 juin, c'est une conférence membre, c'est privé pour les clubs, le club de la SAPEM, pour les membres de la SAPEM. Et notre prochaine conférence, c'est le 28. Et l'autre prochaine conférence, théoriquement, ça va être le 17 septembre sur le télescope James Webb. Et logiquement, elle devrait être en présentiel au planétarium. Mais pour l'instant, on n'est pas, on ne sait pas. Tout est, si on est en contrôle, on verra bien. Ben, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. Oui, merci beaucoup. Merci pour les questions. J'ai beaucoup aimé. Oui, mais c'était quand même assez particulier. Enfin, j'espère que tu vas pouvoir revenir. Si tu viens à Montréal, ben, on va te réinviter, c'est certain. Certainement. C'est très intéressant. On va être intéressé à avoir une de tes autres présentations. Ben, je vous remercie beaucoup. Et bonne soirée tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Mahalo, on devrait dire plutôt. Oui, mahalo. Mahalo.